Nous allons s'excuser aujourd'hui, ta grand jour, parce qu'on va jouer à un jeu d'horreur et parce qu'on a plus de bobards. Merde. Appartement 666, c'est aussi le jeu qui a le pire menu du monde, mais il a l'air bien. Ça a l'air assez sympa, en gros, on se réveille dans un appartement. Ouvre la porte, derrière se trouvent les vrais mensonges d'horreur. Traduction approximative. Donc pour l'histoire, on se réveille chez nous comme ça dans notre appartement et on n'arrive pas à s'en échapper. On va mettre le son bien fort, regardez, regardez. Preuve que j'ai mis le son extrêmement fort. Voilà, le courage. Allez, on y va. Mom, Dad, I'm awake. Any breakfast, toast, cornflakes? Mais sauf qu'il y a personne, c'est un mensonge. Oh, attends. Et c'est verrouillé, d'accord. Déjà, il se passe ça, c'est la crise cardiaque, on va pas se mentir dans la vraie vie. Is anybody home? Eh ben non, t'es tout seul, mon con. T'es tout seul, enfin tout seul, non, il y a un petit esprit qui va te couper la gorge. Maman, papa. Bon, attends, on va toquer, c'est ça, ça doit être leur chambre. Et voilà, le fail. Et je me réveille. Non mais c'est génial. C'est comme pitié en fait. What's going on here? Comprends pas ce qui se passe. En fait, c'est une terreur nocturne. Les terreurs nocturnes, je sais pas si vous en avez déjà fait, j'espère pas. En gros, tu fais un cauchemar et quand tu te réveilles, ça recommence. En fait, tu t'es jamais réveillé. Mais tu crois que tu t'es réveillé, donc t'as encore plus peur. What the fuck? Ça souffle pas? Le mec, mais fuis. Et c'est quoi ce bruit de couinement? On dirait qu'il y a un enfant poussé qui fait la balançoire pas loin. Effrayant. I should read this note, maybe. Ah, il y a une note? Pourquoi il y a une note maintenant? Abusé, c'est abusé mec, ce sound effect. Je suis sûr qu'à la fin de la vidéo ce sera le truc le plus flippant du jeu. Un enfant a disparu après que sa soeur se soit faite assassiner. C'est toujours des bonnes nouvelles dans les journaux dans ces jeux. Son père et son oncle sont les suspects principaux. Ok. Mais attends, parce que s'il y a un vrai screamer et que c'est aussi fort que ce bruit de papier, vous payez la location du défibrillateur pour me réanimer hein. Allez. Ouais, qui est là? Cette fois qu'est-ce qui se passe? Et il parle même plus gamin. Il ferme ses fesses, il a compris. Il a compris qu'il rien. Mais en fait c'est de la flûte. Qui joue de la flûte comme une merde là? Qui se prend pour Carlos dans Bob l'éponge? C'est quoi ce bruit? Montre-toi. Ah, that's much better. Quoi, that's much better? C'est quoi ce bruit de mort? C'est plus badant que tout ce que tu peux trouver dans cette maison. Et lui il dit ah c'est beaucoup mieux. Vas-y je me casse, ça sert à rien, cette pièce sert à rien. On se tire. Maman, papa. Oh là, c'était au calme à la commission. C'est ça? C'est quoi ce bruit? Mais il y a même pas de toilette. Pourquoi cette baignoire fait des bruits de toilette? Mon gars, je change de baignoire, fais un truc, je sais pas. Moi je prends pas un bain là-dedans hein. Ah, il y avait un truc interact. Voilà. Du coup maintenant on peut se barrer, maintenant qu'on a lu le journal pour la deuxième fois. Voilà. Et il se réveille. Vous savez qu'il y a des terreurs nocturnes, je vous en parlais tout à l'heure, qui peuvent durer comme ça, mais pendant, je sais pas, tu peux te réveiller genre 6 fois, et 6 fois tu crois que tu t'es vraiment réveillé, et c'est faux, t'es encore dans ton putain de cauchemar. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé là? No forgiveness, ah, excuse refusée. Ok. What happened here? Whoever was here sure left in a hurry. Il a vraiment l'air paniqué le garçon, hein. On dirait vraiment pas qu'il est en train de lire un script, son grand frère a fait un jeu d'horreur. Si, non, il y a des tableaux, il y a du sang et des tableaux. Bon, on se casse, hein. Très étrange ce jeu. On se réveille, putain, qui s'y attendait? Ça, là, je sens qu'il va y avoir un mec. Là, on ouvre la porte à quelqu'un. Eh bien, non, tout est de retour à la normale. Ce qui est encore plus flippant. Il va y avoir un mec, je suis sûr qu'il y a un mec. Ouais, on va y aller tout doux, je suis sûr qu'il y a un mec. Ah, putain! À l'époque, ils avaient vraiment la pire sonnerie du monde, quoi. Allô? Oh! Arrêtez! What? C'est ça qui s'est ouvert? Mais elle a jamais été ouverte avant. Where am I? Some kind of storage room? Bonne question, garçon. Et on m'enferme, mais parfait. Wow, wow, wow. Qui tape? Alors, on lit le journal. Je l'entends d'ici, mon gars. Ah, attends, c'est pas le même journal cette fois. Une mère dit que son enfant a des pouvoirs. Elle a dit qu'il devrait parler à des créatures. What? 14 morts dont la sœur de l'enfant kidnappé dans le massacre au parc. Ok. C'est le réveil. Là, ça commence à faire beaucoup là. Allez, on rouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien. Mais qu'est-ce qui va sonner cette fois? Il peut pas courir cet enfant à un moment. Ça fait 18 fois qu'il se réveille, qu'il vit la même chose. Il peut pas se dire à un moment qu'en courant, ça ira plus vite. Ah. Oh, c'est plus la salle de bain maintenant ici. C'est une chambre. Putain! Baisse les effets de son dans ton jeu, bordel! Je suis en train de mourir. On a quoi? On a une lampe. On a un lit avec un journal. Ghislaine avait une sœur et un plus petit frère. Et ils ont tous les deux été tués dans la tuerie du parc. Du coup, est-ce que je suis le garçon mort, moi, ou pas? Nani, qui pleure? C'est cette lampe? Ça venait de là, mec. Je vous jure. Je me croyais pas, ok. Vous croyez que je deviens fou? Je vous le dis. Ça venait de cette lampe. La lampe a pleuré, mec, c'est tout. Alors on ressort, on se casse. Oh, on a une lampe torche, mec. Est-ce que c'est bon signe? Pas du tout. Arrêtez avec ça. La lampe, j'arrive, ma lampe, j'arrive, ma petite lampe. Allez, on va changer ton ampoule, ça va aller, ça va aller. Mec, déjà je propose à cette lampe de l'aider et elle me répond en explosant. Et ensuite j'ai fait le malin au début de la vidéo comme on peut le voir. On va mettre le son bien fort, regardez, regardez. Preuve que j'ai mis le son extrêmement fort. Et je regrette parce que le son du jeu est mal équilibré. Allez, on y va. Ouais. This looks like a way out. Quelle est cette pièce? La pièce à chaise. Mettez une chaise contre un mur dans une toute petite pièce et vous aurez la pièce la plus malaisante. Arrête. Putain, j'en ai marre de cette lampe. Bon, on va aller à la chambre des parents et on va se réveiller, c'est ça?
Putain! C'est dommage, le début était cool, mais là, il nous fait faire trop de tours alors qu'il se passe rien. Du coup, on a envie de jouer à Pokémon Go. Bah ce qu'on va faire c'est simple, c'est que je vais me mettre à courir. Allô maman, il y a un fantôme juste derrière moi, allô maman. Voilà, c'était SCH. Et donc... Oh, voilà, ça part en couille, ça j'adore ça. La porte de gauche maintenant c'est le même couloir. Même le chapeau il a kiffé, il part. Je vous avais prévenu, ça va faire mal. Ah, à la sortie. C'est la porte fermée, mec, c'est la panique. On se casse. Gueule, ta gueule. Ah, il m'a gavé avec sa chanson pétée, là. T'aurais pu faire un feat avec Kenji, au moins. Allez, papa, maman, prenez votre bol de cornflakes et niquez-vous. Voilà, ils sont toujours pas là. Wow. What? Attends. Mec, c'est un enfant. C'est une araignée. Nanny. C'est une araignée qui a mangé un enfant. Allez, à plus, l'araignée enfant. Et c'est reparti. Ça part au couille de ouf. Eh mais c'est long. Allez, le journal. Je suis fier de toi, Julien. Ce que tu as fait au parc. Oula. Donc tes frères du meurtrier qui nous a tous dégommés, c'est ça? À moins qu'elle s'adresse à moi et que moi j'ai sauvé des gens, j'en sais rien. Bizarre. Where is he? Where's my dad? Hello, birthday boy. Let's not get intense in here. You are 22 years old now. No, tell me now, where is he? What did you do to him? Your father has been dead for 10 years. You are the one who murdered him. That's why you're here, away from the rest of the society. Connard, tu peux pas bien jouer. Qu'on ait la pression d'y être. Non, te fous pas de ma gueule. Te fous pas de ma gueule. Non, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Donc la fois c'est ça, c'est juste un mec qui est en asile psychiatrique et qui a en plus fait le rire le moins naturel du monde pour exprimer sa folie. Putain. Alors là, ils savent pas qui on est. Page du magasin. Tout de suite. Gna gna, plutôt positif, 13 évaluations. Alors là. Oh my god, the end was insane. Like Inception. J'aimais marcher dans les couloirs encore et encore. M'embrouiller avec une ampoule. Voir une baignoire faire le bruit de chiottes. Mais j'ai surtout aimé la chaise seule dans un 2 mètres carrés. Putain. La douille. Bon bah c'est la fin de cette vidéo sur appartement 166. N'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu. Mine de rien c'est quand même un mec seul qui a fait ce jeu, un mec de 17 ans. Donc c'est quand même très fort. Moi je saurais pas le faire. Il a repris les mécaniques de Pity à l'époque, qui sont refaire le même truc en boucle, mais avec des éléments qui changent, qui te stressent énormément. Sauf que là il en a un peu trop fait. Il s'est dit vraiment on va refaire le même couloir 600 fois, jusqu'à ce que le mec soit dégoûté, qu'il mette un putain de pouce rouge, que quand il ouvre un journal le bruit du papier lui explose la gueule. Pardon, excusez-moi, je me suis enflammé. C'était Lucas Auchard. Peace.